À l'occasion de la sortie d'un troisième jour au musée avec les Bidochons, nous recevons Christian Binet, le papa du célèbre Robert et Raymond. Il va nous expliquer la genèse de ce troisième ouvrage, troisième opus, regroupant toute une équipe autour de lui, une visite au musée très inhabituelle. Alors, quelle est l'origine de cette troisième édition ah, c'est presque une histoire de, de un conte de fées, enfin pour, pour, pour quelqu'un pour moi autodidacte et, et amateur. C'est parti par la musique, en fait, j'avais fait haut de gamme le tome 1 chez Dargo, qui sort la musique classique, et j'avais mis une de mes compositions euh, sur la, la page de garde, parce que j'aurais jamais osé aller voir des, 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 des compositeurs, euh, enfin des, des, des musiciens professionnels pour leur demander de jouer ma musique. Mais c'est une bouteille à la mer, j'ai je mets ça là, puis on verra bien si quelqu'un le lit et a envie de le jouer, c'est un petit prélude pour orchestre à cordes. Et en fait, euh, euh, Gilles Trail qui était à, à Caen, qui dirigeait sans plus 14, chez le bouquin, a eu envie de me jouer, m'a proposé de me, de me jouer, donc une fois au, au salon du livre de Deauville, et après au musée de Caen dans, dans l'auditorium. Il se trouvait que Patrick Ramad, qui était conservateur à l'époque au musée de Caen, avait un système qui s'appelait une visite à deux voix, C'est-à-dire qu'il demandait une personnalité de choisir dix tableaux parmi la collection du, du, musée, du musée, et ensuite de faire la, la, la visite commentée à, à, à un groupe d'une trente ou quarante personnes. Et moi, en plus, je disais, euh, ce qui était marrant, j'ai proposé de faire les petits panneaux à côté avec les bidochons comme s'ils faisaient la visite avec nous, et comme je faisaient des commentaires sur, le, sur, sur les œuvres. Voilà. Donc, euh, on a fait ça, ça a très bien marché, tout le monde a rigolé, en même temps, euh, c'était à la fois sérieux et drôle. On a refait ça à Lyon, puis on, comme ça, vraiment, marche, ça marchait très bien, on s'est retrouvé avec des tonnes de matériel, de, 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 de dessins et de trucs. Je me suis dit, tiens, pourquoi, pourquoi on n'en ferait pas, en fait, un livre, euh, et puis alors... Puis, et donc, c'est comme... la même équipe, hein, vous ben, êtes tous les la trois la équipe, à travailler, moi, Patrick je... Raman oui, oui. qui est conservateur, de... voilà. enfin, ancien conservateur, oui. puisque maintenant, il est à la retraite. Oui. Vous avez un conférencier du Musée des Beaux-Arts de Lyon qui oui. vous a donné un coup de main. Voilà. Pierre côte, Avec qui j'avais fait la visite justement à Lyon. Euh, mmh. On a commencé à 30, on a fini à 80, parce qu'au fur et à mesure qu'on passait de salle en salle, les, les gens venaient s'agglomérer. Ah oui. C'était ça. Et alors, assez comment génial. le public réagit Parce que les bidochons, on a tendance à les imaginer un peu incultes, un peu hostiles à toute forme d'art. Et en fait. Ça matche bien, comme on dit aujourd'hui. Bah, ils sont pas hostiles, ils sont un culte, oui, parce que euh, la, la culture, ce genre de culture, ne vient pas jusqu'à jusqu chez eux, hein, parce que mm -hmm. c'est pas les gens euh, qui, qui sont un petit peu dans leur petit pavillon de banlieue, qui sortent pas beaucoup. Quand ils regardent la télé, c'est pas pour aller voir des émissions culturelles, donc ça ça pas... Mais je veux dire, ils, 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 euh, moi, en fait, j'ai été dans des expos où il y a, surtout au sur, euh, niveau local, parce que moi j'habite en province, vous avez ce genre de gens qui, qui sont là parce qu'ils sont invités par la mairie, mm -hmm. ou parce mmh, qu'ils sont mmh. conseillers municipaux. Et donc, vous avez ce genre de réflexion. Et, et moi, c'est un petit peu ça que je veux dire. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas idiots, mais par contre, pour qui c'est un, un, un domaine où, uh, qui, qui, qui leur est complètement inconnu. Alors, évidemment, si vous êtes, dans, même si vous pouvez être très brillant, si vous êtes dans un milieu que vous ne connaissez pas, vous allez passer pour quelqu'un de, mmh. de, de... pour un crétin, mais... Non. Alors, on sent qu'il y a du vécu, <laughs> parce que quand Robert dit « Mais quel est le tableau qui coûte le plus cher ?», on voit bien une démarche qu'on entend régulièrement dans les musées, quelle est l'œuvre qui coûte le plus cher? Donc en fait, la sélection se fait comment C'est pas le prix là des œuvres qui a vous a dicté les tableaux qui sont commentés. Alors, la, la, la sélection se fait de façon très simple. C'est c'est euh, au coup d'œil. Au coup d'œil. Voilà. On ne cherche pas à savoir éventuellement. Euh... Moi, j'ai une première sélection. et C'est comme ça que j'ai fait pour Caen et Lyon. Mm -hmm. Et là, c'est pareil. Il y a des tableaux qui me plaisent. Je ne sais, je sais pas si c'est un, un peintre connu, mais ça, ça me plaît et, et donc euh, de Alors on en met aussi de, de connus parce qu'il faut quand même mélanger. Mais en, en essayant aussi de, de faire en sorte que les, les œuvres de, de, de peintres connus soit pas les choses qu'on a l'habitude de voir on mettra jamais la Joconde par exemple ou oui. choses comme ça ça n'apporterait on... pas en... grand chose voilà, si on... alors ce qui est amusant c'est de voir cette double lecture il y a une lecture un peu scientifique même si elle est très accessible et puis il y a les commentaires des bidochons qui arrivent là et qui donnent leur point de vue oui, oui c'était exactement le, 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 le propos. En, en fait, moi, ce que je veux, c'est ouvrir des portes, parce qu'on s'aperçoit que le, dès qu'on parle le, le mot art, ou musée, ou, ou concert, musique classique, tout de suite, les, les gens se disent que c'est pas pour eux, et pour une bonne raison, c'est que souvent, on leur a fait comprendre que c'était pas pour eux, parce qu'il mmh. y a une espèce de, de classe qui, qui a fermé la porte, qui a claqué la porte derrière eux, et qui veulent surtout pas les laisser entrer qui, quiconque. Voilà. Et moi, je veux pas ça, parce que j'ai connu ça, souvent. On, on m'a souvent... En, 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 d'avoir accès, justement, à des choses qui m passionné comme mmh. je suis quelqu'un qui est autodidacte, comme tous les autodidactes, on a soif de connaissances et, 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 et d'apprendre, et souvent, on m'a empêché de ça, et moi, je, veux, je voulais, par, par ça, comme j'ai fait sur la musique, mais là, sur la peinture, c'est ouvrir les portes, et je sais que ça marche, parce que depuis, j'ai eu des lettres, et les gens qui, maintenant, vont dans les musées, et qui n'y allaient pas jusqu'à présent, parce qu'ils estimaient que c'était pas pour eux. L'histoire, le fait d'avoir de l'humour à côté, je vous expliquer. Quand vous, vous un livre d'art, je vous ai remarqué que les gens, si un tableau ne leur plaît pas, spontanément comme ça, ils passent. Mm -hmm. Bon, si vous avez le même tableau, si vous avez un dessin avec, avec de l'humour, vous allez lire le dessin avec l'humour. Et après, une fois que vous aurez lu le dessin avec l'humour, vous allez revenir sur le tableau pour savoir pourquoi ils ont dit ça. Mm -hmm. Et donc, ça donne une deuxième chance au tableau, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas mal parce que lorsque vous parlez, vous faites allusion justement à des détails de la peinture qu'on ne regarde pas toujours. Je pense à les œuvres, par exemple, de Velázquez, oui. hein, qui est conservé au Prado. Oui, oui. Il a une position il a un geste un peu inhabituel ouais, ouais. et aussitôt vous faites un parallèle ou plutôt les bidochons font un parallèle avec Napoléon et en se disant bah, est-ce qu'ils sont pas de la même famille donc c'est vrai que ça nous oblige à regarder des détails qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Oui, mais ça amène des fois plus loin, parce que celui de, Lo de Lautrec, par exemple, mm -hmm. où les deux, deux filles sont dans un lit, moi je voulais celui où elles s'embrassent. Ouais. Bon, c'est une collection privée, c'est un peu compliqué. Ouais, L'ancienne collection de voilà, Maître Reims. Elle a pris celle-là, et la réaction de M. Bidechamp, c'était de savoir quand c'était le, le mariage pour tous. Voilà. Donc c'est marrant, parce qu'en fait, on, on fait des polémiques des fois sur des choses d'aujourd'hui, alors qu'on s'aperçoit qu'elles existaient avec souvent plus, beaucoup plus d'intérêt naturel euh, par le passé parce que comme l'explique bien là, Patrick Ramad, euh, c'est l'homosexualité euh, dans, dans les bordels, c'était pour eux une façon de se dégager de cette espèce de, 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 de boulot à la chaîne qu'elle qu qu faisait. Donc, de vous voilà vous le savez, donc ouais. euh, les, les mecs, elles en avaient jusque là et en fait elles se retrouvaient entre elles et, et ça leur permettait de supporter tout le reste. Voilà. Donc mmh. euh, ça, ça c'est intéressant ça, de, de, de montrer ça et, et c'est ce qu'ont très bien fait Pierre Lacotte et, et et Patrick Ramadan ah ben, Alors ouais. cette fois-ci, vous êtes allé chercher beaucoup plus large. Ce n'est plus la collection d'un seul musée. Il y a plein de musées différents, même à l'international. Est-ce à dire que les bidochons voyagent désormais et qu'ils vont encore plus loin que le seul hexagone c'est un peu moi qui voyage en fait pour essayer d'aller trouver d'autres choses. C'est vrai qu'on est un peu moins coincé parce qu'au départ, quand même, c'était uniquement les musées de Lyon et Caen. Lyon a beaucoup plus de. est plus grand donc il y avait plus de choix. Caen a commencé un petit peu à tirer la langue pour. Et, et, et donc là, on est dégagé en fait complètement de ce truc là. Et là, il reste encore des, des œuvres de Lyon et Caen, mais le, le, le prochain on espère faire, en fait, là, on, aura, on fera tout, tout ce qu'on veut. Monde entier. Donc on ne peut pas lâcher à arriver à faire des, des choses assez assez différentes, pas du tout dans un ordre chronologique. Et moi, je tiens toujours à ce qu'il y ait au moins deux œuvres contemporaines dedans, parce que euh, les, souvent c'est pareil, une réaction euh, épidermique, le style. Voilà, style euh, voilà, Surtout en ce moment voilà. où on voit cette montée du Front National qui déteste l'art oui, oui. contemporain ah, oui, et qui stigmatise en général tout ça. Et là aussi, on passe vite, parce que vous avez, si vous regardez le dessin de Quentin Latour, qui est magnifique, mmh. tous les gens s'arrêtent et à chaque fois, c'est oh est ce que c'est Ça c'est vraiment pour eux, c'est ça, ça la peinture. Mmh. Et donc, euh, de mettre dedans euh, des œuvres Contemporain. Euh, contemporain, et, et, et on, avec un commentaire qui permet justement de rentrer dans le truc, de comprendre pourquoi ça a été fait à l'époque, etc. Euh, C'est aussi ma, ma petite contribution pour que les gens... meilleure compréhension, voilà, meilleure compréhension parce qu'il y a des hommes magnifiques dans l'art contemporain, et qui, on, si on passe trop vite, on passe on à côté, voir. quoi. Eh bien, merci. Donc, je rappelle qu'un troisième jour au musée avec les Bidochants est paru aux éditions Fluide Glacial. C'est le cadeau parfait et décalé pour Noël, 97 pages, 25 euros, on aurait tort de s'en priver. Ouais. Merci, <laughs> merci.